Keranova, c'est une start-up deep tech qui est née d'une innovation dans un laboratoire de recherche à Saint-Étienne, un groupe de travail qui a réuni des médecins, des chirurgiens ophtalmos, des chercheurs autour de la science de la photonique, et c'est la base de notre innovation, la science qui manipule les photons dans un faisceau laser. À partir de cette innovation, on a pu avoir un laser 20 fois plus rapide que tous les lasers qui existent aujourd'hui sur le marché. Et on a décidé d'utiliser cette innovation de rupture dans un robot chirurgical pour la chirurgie ophtalmique et dans un premier temps l'indication de la cataracte. Pourquoi la cataracte? Parce que c'est aujourd'hui la chirurgie la plus pratiquée au monde, hein, c'est 30 millions d'interventions par an. C'est un marché international qui, avec tous les produits autour de cette chirurgie, représente 11 milliards de dollars. Donc ça nous a permis de lever des fonds autour de cette indication. Et notre proposition de valeur, c'est d'apporter une égalité des chances pour tous les patients. Alors, Caisse d'Épargne nous a accompagnés dès le début avec sa structure innovation. Alors déjà, très atypique dans l'univers des banquiers, puisque ce sont des gens qui comprennent vraiment la deep tech et qui comprennent donc nos cycles de développement qui sont très longs, hein, puisque Keranova a été créé en 2016 et on envisage d'aller sur le marché à partir de 2025 seulement. Donc on est sur des cycles de développement très longs. Et donc ce qu'on a, nous, aimé chez Caisse d'Épargne, c'est cette capacité à nous comprendre. Un accompagnement financier, évidemment, dès le début, avec le financement de certains équipements, les bras robots qu'on a dans notre machine, des têtes laser, des financements non dilutifs. Quand on a fait des levées de fonds, la Caisse d'Épargne a complété ces financements. Et aussi un accompagnement avec un ancrage territorial fort, donc un accompagnement au niveau de notre écosystème, des mises en relation aussi bien avec des entrepreneurs qu'avec des experts dans des domaines autour du dispositif médical.